C'est l'œuf ou la poule? Quelle différence ça fait quand la chicane, elle pogne dans une foule? L'un, il m'appelle Mohamed et l'autre, il m'appelle Bounioul. L'un, il me respecte et puis l'autre, il se défoule. Entre nous, c'est qui le merboule? Qui se rince la bouche avec des mots qui ont de l'air cool? Moi, j'ai le goût du foule. Le foule, je trouve que c'est vraiment cool. Ici à Montréal ou là-bas à Tanger, le Bessara il coule. Avec l'huile d'olive et le camoun qui je me gave et puis je me saoule. Juste à en parler, ça me donne la chair de poule. L'un il m'appelle encore Mohamed et l'autre il m'appelle encore Bounioul. L'un il me respecte encore, l'autre il se défoule. Entre nous, c'est qui le vrai merboule? Qui se rince la bouche avec des mots qui ont de l'air cool? Je m'appelle Mohamed. Devant toi, Rachida, il y a le tapis qui se déroule. Rachida, Rachida, bienvenue au souverain, bienvenue au souverain, Rachida. Rachida, Rachida, bienvenue au souverain, bienvenue au souverain, Rachida. Rachida, Rachida, bienvenue au souverain, bienvenue au souverain, Rachida. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي يلي بحبه ناكرني بالسيارة حبه ما بقدر خبي بعيون تقت قلبي مثل هالسيجارة Rachida, je te donne le salut des souverains anonymes. Mon style s'exprime avec des rimes qui choquent l'opinion publique. Ici on laisse tomber les tabous comme avec l'œuf ou la poule. Perso, je m'en bats les couilles car les deux me saoulent. Ce micro, j'y suis accro, j'y fais part de mon art avec un stylo et des mots. Durant de longues séances en studio, je suis certain que je pourrais dire une fois pour tout adieu à ces barreaux. Parapapa, parapapa. Bienvenue, Rachida. Bonjour Rachida, je m'appelle Mohamed. Bienvenue pour la première fois à notre émission. Ça fait 30 ans qu'on attend ton passage ici. Mais il y a 30 ans, je n'étais pas encore venu au monde. Je ne me posais pas de questions genre qui a apparu le premier, l'œuf ou la poule. Je ne me pose pas plus la question aujourd'hui. Moi, je commence avec un œuf le matin et je termine avec une poule le soir. La réponse aux questions existentielles se trouve au creux de mon ventre. Je suis né au Québec, de parents marocains. Chez nous, à Montréal, tout est marocain. La cuisine est marocaine, la langue est marocaine et le poulet au citron est naturellement un tagine marocain. Aussitôt, je sortais de la maison, j'étais au Québec. Je vis toujours cet aller-retour Maroc-Québec au cœur de Montréal. Lorsqu'on me demande « c'est qui que je suis ?», je réponds je suis un terrien, un être humain, je suis d'ici et d'ailleurs, je suis de nulle part. Pour me sentir quelqu'un, est-ce que je dois être de quelque part? Je m'appelle Mohamed et je suis impatient d'entendre ta réponse, Rachida. Est-ce que tu dois te sentir de quelque part? Bien sûr, quand on vient de nulle part, on s'en va nulle part aussi. Savoir d'où on vient, c'est une impulsion, ça nous donne des ailes pour voler. Mais si on se contente de ressasser l'endroit d'où on vient avec nostalgie, on s'en va nulle part. Donc oui, c'est important de savoir d'où on vient, mais c'est très important aussi, et c'est peut-être le plus important, d'avoir envie
d'aller quelque part. Bonjour Rachida. J'ai quitté l'Afrique pour les Amériques à l'âge de 10 ans. À 13 ans, j'ai commencé à faire du temps. À 27 ans, je suis encore de retour en dedans. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Africa, Africa, Africa. J'entends toujours cette harmonica à partir de l'Amérique. J'entends l'appel de l'Afrique. J'entends le chant de la terre-mère et ce baobab que j'ai grimpé. Redescendu, grimpé, redescendu, grimpé. Aujourd'hui, ce baobab m'appelle. Je voudrais le retrouver et le regrimper. Je voudrais contempler le monde du haut de mon baobab. Je voudrais crier toute ma joie, tout mon amour pour toi Burkina, pour toi Burundi, pour toi Rwanda. Oui, là-bas, sur la terre natale, je voudrais retrouver ma cabane d'Afrique. Là où on n'a pas peur d'avoir la chicane. Là où on parle, on rit et on ricane. Même le génocide n'a pas mis fin à ton rire. Je retourne dans ma cabane d'Afrique pour réapprendre à sourire. Je m'appelle Claudien. Ta présence fait vraiment du bien, Rachida. Mais, réponse s'il te plaît, d'où vient cette peur de la chicane au Québec? C'est quoi le contraire de l'amour? La haine. C'est la peur. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Et si on a si peur de la chicane, c'est parce qu'on a peur qu'en se chicanant, on perde l'amour, qu'on arrête de s'aimer. On se chicane, on brise les liens et on ne s'aime plus. Alors on a tellement envie de garder l'amour qu'on a peur de la chicane et on ne dit pas ce qui fait mal. Et ça finit par exploser. Et ça finit par devenir de la violence et de la haine. Pourquoi on n'a pas peur de la chicane en Afrique? D'après moi, je dirais qu'on n'a pas peur de la chicane en Afrique parce qu'on est déjà dur. On apprend de jeune âge à se débrouiller. C'est tout simplement ça. Tu as parlé de Rwanda tout à l'heure. Tu as une histoire au Rwanda? Tu y as vécu? Oui, je suis né au Rwanda. Tu es né au Rwanda. On n'a pas peur de la chicane en Afrique. Pourtant, il s'est passé des choses atroces au Rwanda. Effectivement, il s'est passé des choses atroces, mais il faut combattre la peur pour s'en sortir. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de peur parce qu'on en voit tellement. On voit tellement de choses qui arrivent, justement. C'est ces chicanes-là qui nous amènent à ce qu'on n'ait pas peur. J'ai quitté le Rwanda très jeune. J'avais 4 ans. On s'en allait d'un pays à l'autre. On s'en allait dans des campements réfugiés. J'ai été trimballé beaucoup. On grandit trop vite. Ça fait de moi la personne que je suis fort aujourd'hui qui n'a pas peur de grand-chose. Donc, c'est ça. Ce rendez-vous avec le baobab, tu tiens à retourner voir le baobab. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Si je suis le baobab, qu'est-ce que tu me dirais? Je le dirais merci. Pourquoi? Parce que ce baobab, c'est là où je me permettais de m'évader. C'était mon nid d'amour, mon nid de paix. Donc, je le dirais merci pour ces moments que j'ai vécu là-dessus. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il te réponde? Eh bien, j'aimerais qu'il me réponde « Reviens, reviens, et puis je serai là. » Merci beaucoup. Merci. راشيدة راشيدة حبيبة قلبي راشيدة أهلا وسهلا براشيدة والله عيني راشيدة شير راشيدة Je vais te raconter un petit histoire tout petit. Par une journée ensoleillée
une poule est sortie de la terre. Allons, allons. Et tout de suite, elle s'est mise à chanter en arménien. Waouh! Un poule, elle chante en arménien. Incroyable. Alors, ça, on a dit au poule. Maintenant, tu le sais, la poule, elle est née en Arménie. CF se sont répandus partout. Et voilà, partout. C'est la terre. C'est ainsi que je suis venu au monde, au Liban. Et voilà. Je m'appelle Ayo. Et je suis libanaise, arménien. Mais aujourd'hui, devant tout et devant toi, je suis un souverain. Que ces nuits de sa poule, je m'ennuie de Liban. Je m'ennuie de cette terre qui accueille mes ancêtres après le génocide de 1915. Aujourd'hui, c'est le Québec, et c'est tout à fait Québec, qui m'accueille et je lui dis un gros merci. Carone, 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 sirone, 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 expo, sep, sep, achero, ma fidèle, carone, ahla ou sahla, bishabab. تفضل طوبها الصغرى ما في غيرها الشباب هني أحسن شباب مرة واحدة معنا مرتين نحن Bonjour Rachida, mon nom est Colbert. Bonjour Colbert. Bonjour. J'ai 28 ans, je suis né en Haïti et je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans et depuis je ne suis jamais retourné. Je n'arrive toujours pas à me considérer comme Québécois, même si je vis au Québec depuis assez longtemps. J'ai toujours l'impression que l'homme blanc me ramène à ma couleur. Le regard de l'autre empêche mon sentiment d'appartenance au Québec et pourtant je vis ici. Je mange ici et je vais sûrement avoir des enfants ici. Dans les faits, je suis autant haïtien que québécois et vice-versa. Pourtant, je me sens fier d'être haïtien et je n'arrive pas à avoir ce même sentiment envers le Québec. Toi qui es une psychologue, donc une spécialiste dans le domaine de l'identité, as-tu une explication à me donner, ainsi qu'au souverain, sur la difficulté à me sentir québécois à part entière? Dans cette salle, est-ce que tu peux me dire s'il y a un blanc ici, dans cette salle, qui t'a déjà fait sentir que tu étais pas québécois, mais juste un homme comme lui, un être humain? Au moins un. Une personne dans cette salle blanche qui t'a déjà fait sentir comme un être humain à part entière. Ouais. Désigne-moi quelqu'un. Oui, j'ai quelqu'un ici, là. Ici? C'est lui? Ok. D'accord. C'est tout? Mais tout le monde. Tout le monde, ouais. Ici. Donc, tu as des personnes blanches qui te font sentir que tu es un humain d'abord, avant d'être québécois ou pas. D'accord? Donc, c'est déjà un début. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te sentir québécois et pourquoi beaucoup de souverains, j'entends souvent ça, ne se sentent pas québécois? Peut-être parce que on est aussi parfois ce qu'on décide d'être. D'accord, on décide à un moment donné qu'on est québécois. On le dit sans s'en apercevoir, on dit « moi, québécois ». On le décide, on dit « nous ». Nous, on dit « nous » et on parle des Québécois. Nous, les Québécois, on n'aime pas la chicane. Et tout à coup, on découvre qu'on s'est donné, nous, la permission d'être québécois.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être que nos passeports sont canadiens. Juridiquement, elle n'existe pas. Le passeport québécois n'existe pas. Donc, il y a déjà beaucoup de Québécois qui ont de la difficulté à dire qu'ils sont Québécois parce qu'ils n'ont pas de pays. Alors, quelqu'un qui a déjà un pays, tu as dit « je viens d'Haïti ». Donc, tu avais un passeport haïtien. Est-ce qu'on t'a proposé… Tu es citoyen canadien maintenant? Oui, oui. Okay. Et quand tu es devenu citoyen, on t'a donné le passeport canadien. Donc, tu as un passeport canadien et un passeport haïtien. Le passeport québécois, il n'existe pas. C'est pour cela que moi… Je pourrais dire que je suis haïtien et canadien. Oui. Mais pas haïtien et québécois. Non, parce c'est que là le petit conflit. C'est là le petit conflit, puis c'est un choix du cœur. C'est un passeport du cœur. C'est un passeport symbolique. Il n'existe pas. Et pour avoir envie d'avoir ce passeport et d'être québécois, il faut avoir dans son entourage des gens du Québec qui nous disent bienvenue. C'est pour ça ma question. Donc il y a des gens ici, parce que pour moi toutes ces personnes sont québécoises, quel que soit leur pays d'origine. Il suffit qu'il y en ait une qui te dise bienvenue, tu es chez toi et voilà, tu te sens québécois. Mais ici on a une chimie entre souverains, mais à l'extérieur avec la population c'est autre chose. Comme exemple, quand j'allais envoyer un CV par exemple, je peux le voir dans le regard de l'autre quand il m'accueille ou quand il ne m'accueille pas. Il y a certains endroits, je sais qu'il va m'appeler pour une entrevue. Puis il y a d'autres endroits que je sais qu'il va juste le déchirer. Et c'est dans ce sens-là que je me dis, je me sens pas l'appartenance au Québec. Je comprends. C'est-à-dire que toi, tu peux pas contrôler l'autre, le regard de l'autre, hein, mais tu peux contrôler ton propre regard sur toi-même. Si tu arrives en entrevue et que tu as peur, et c'est ce qui t'arrive, tu arrives, tu as peur, tu as doublement peur. Et en plus, tu dis, ma peau n'est pas blanche. Donc, l'autre ne va pas m'accueillir. Donc, tu arrives avec cette peur-là. Cette peur, l'autre la lit dans tes yeux. D'accord? Alors, si tu arrives en te disant, moi, je viens passer cette entrevue, je suis compétent, je veux travailler et je suis capable de faire le travail. Ça, c'est ton bout à toi, ce que tu contrôles. Mais tu ne peux pas contrôler le regard de l'autre. Ça, c'est comme quand tu as un rendez-vous amoureux. Quand tu as un rendez-vous avec une personne et que tu ne sais pas si elle va t'aimer. Mais tu sais que toi, d'accord, tu as très envie d'être dans une relation amoureuse. Et tu arrives au restaurant et tu la vois et elle te plaît. Et tu te dis, moi j'ai envie d'être avec elle. Tu n'as aucun contrôle, tu ne peux pas l'obliger à t'aimer. Mais tu as le contrôle sur la façon dont toi tu vas te comporter pour qu'elle ait envie de s'intéresser à toi. Ça ne veut pas dire que le résultat va être celui que tu espères. Mais au moins, tu as la satisfaction d'avoir fait toi tout ce qui est en ton pouvoir pour que cette personne ait envie de s'intéresser à toi. C'est exactement pareil en société. Et c'est exactement pareil avec l'employeur. Parce qu'il peut être très, très, très fermé et tu lui parles et à un moment donné, il se dit, il y a quelque chose qui vient de se produire et cette personne, elle m'intéresse. Et j'ai envie de travailler avec elle. D'accord. On ne peut pas contrôler l'autre, mais on a juste le pouvoir sur soi. Ok, d'accord. Une bonne réponse. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais c'est ma réponse. Bonjour Rachida, je m'appelle Benoît. Dans ton livre, tu inventes un dialogue entre l'œuf ou la poule. Qui a raison, qui a tort? La poule qui accuse l'œuf d'inventer et d'imaginer des faux problèmes comme l'appropriation culturelle? Ou l'œuf qui accuse la poule d'être insensible aux droits des dominés en rejetant les discriminations de toutes sortes? Personnellement, j'essaie de ne plus regarder en arrière. J'essaie de me faire visionnaire. Je me projette dans un avenir lointain. J'ose espérer que ces problèmes de vivre ensemble auront disparu parce que les humains auront enfin compris que nous n'avons pas d'autre choix que de vivre ensemble. Dans nos sociétés de plus en plus multiethniques, multiculturelles, multireligieuses, il vaut mieux mettre en avant ce qui nous unit que ce qui nous sépare, à mon avis. Facile à dire, difficile à faire. Pourquoi, à ton avis, Rachida,
c'est devenu si difficile pour certains d'accepter que d'autres se mêlent de leurs histoires. Depuis que l'humain est humain, il y a des conflits. Donc, rêver d'un monde où les gens se tiendraient par la main et s'aimeraient en se regardant dans les yeux, c'est utopique parce qu'on est des animaux. On est des animaux. Et les animaux, ils ont le sens du territoire. Ils se battent pour défendre leur territoire. Ils ont le sens du pouvoir. Ils ont le sens du clan. Donc, c'est tout à fait naturel que tant qu'il y a des humains sur Terre, il y aura des conflits. Ce que j'ose espérer, c'est que nous, les humains, ben, on prétend avoir une intelligence supérieure et avoir développé des moyens un peu plus civilisés pour régler nos conflits que de faire comme les animaux et de se battre à coups de griffes. On a des tribunaux, pour régler les conflits, on a toutes sortes de mécanismes. Donc, il y aura toujours des conflits, mais j'espère qu'on va trouver des moyens de plus en plus sophistiqués pour les régler. Maintenant, pour ce qui est de l'appropriation culturelle, et pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de leurs histoires, même quand on en parle de façon bienveillante, même quand on veut, par exemple, dénoncer l'esclavage, dénoncer le colonialisme, c'est parce que ces gens-là, c'est pas qu'ils veulent pas que les gens se mêlent leurs histoires, c'est qu'ils leur disent « Je suis, avant de parler de mon histoire, laisse-moi, moi, la raconter, parce que c'est moi qui en ai souffert. Laisse-moi raconter mon histoire, et ensuite, tu me diras comment toi, tu la vois, comment toi, tu la reçois, comment toi, tu l'interprètes. » Je vais encore une fois redonner l'exemple du couple. Un couple qui s'en va en médiation, d'accord ? Et que quand il y en a un des deux qui se plaint, par exemple, de la violence de l'autre, quand l'autre commence à parler et à dire « oui, c'est parce que quand on se dispute, je suis violent parce que, tu sais, tu me provoques, tu m'insultes, tu m'humilies », que fait la personne qui est victime ? Elle dit « tais-toi, laisse-moi raconter, c'est moi, laisse-moi raconter ce que moi j'ai vécu et ensuite tu vas m'expliquer toi pourquoi tu as fait ça et comment toi tu vois les choses ». Ben, c'est exactement pareil avec l'appropriation culturelle. C'est que, en effet, l'art, c'est l'art. Tout le monde a le droit de raconter ce qu'il veut, de faire un film sur le sujet qu'il veut. Personne n'a le monopole sur des sujets ou des questions ou sur l'histoire. Mais ce qu'il faut entendre, c'est ces gens-là qui nous disent « laissez-nous la raconter ». Les autochtones, les descendants d'esclaves, les Québécois de souche. Si un Anglais se mettait à raconter l'histoire des porteurs d'eau, peut-être qu'un Québécois de descendance canadienne-française dirait « non, non, moi je suis un descendant de porteur d'eau et moi je vais la raconter l'histoire. Et ensuite, toi tu me diras comment toi tu l'as vécu cette histoire-là. » Mmh. Alors c'est pareil. Bravo, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci d'être venu souverain. Oh, merci à vous de m'avoir reçu. Je m'appelle Mystique. Bonjour Mystique. Dans un chapitre de ton livre, tu mets en scène l'œuf et la poule qui se chicanent. Tu veux montrer à l'autre que c'est elle qui a raison. Tu t'inspires des débats actuels au Québec entre deux courants idéologiques, les identitaires et les inclusifs. Je t'avoue que je ne me sens pas très concerné par cette chicane. Je ne cherche pas à savoir à quel camp j'appartiens, et je me sens très loin de cette chicane. Je vais te raconter ma petite histoire, et tu me diras à quel courant que j'appartiens. Mon parcours de vie est trop complexe pour réduire mon appartenance à un camp ou à un autre. Je suis né au Québec, de parents haïtiens, vers l'âge de 12 ans. Ma mère a jugé bon de me déporter de force en Haïti. Pour mes parents, seul le long séjour en Haïti pouvait calmer le jeune homme turbulent que j'étais. Un jour, je suis tombé malade là-bas. J'ai profité de cette maladie que j'ai prolongée volontairement pour justifier mon retour urgent au Québec. Une fois de retour, j'étais encore plus turbulent. Ma colère était grande. Aujourd'hui, avec le recul, j'assume cette déportation. Je la vois comme une expérience de vie qui m'a rapproché de mes racines. J'ai été témoin de la pauvreté et de la misère. Désormais, Haïti est tout jamais gravé dans mon cœur. Quand j'aurai des enfants, j'espère qu'ils voyageront dans le pays de leurs ancêtres
En attendant, j'espère que les Haïtiens éliront un jour un président paysan, un éleveur de poules, peut-être bien un homme du peuple. J'espère qu'ils se délivreront de la mainmise des Américains, ces tyrans. En tant que Québécois d'origine haïtienne, j'espère que la diaspora haïtienne au Québec et partout dans le monde aidera Haïti à redevenir enfin souverain de son destin. Je pense que je vais me lancer dans l'importation du poulet créole au Québec. Dis-moi, Rachida, as-tu déjà goûté au poulet créole? Oui, j'ai déjà goûté. Oui, j'ai déjà goûté au poulet créole. Mais écoute, je suis très contente de t'entendre dire que tu ne te sens pas concernée par cette chicane. Parce que figure-toi qu'il y a des gens qui ont décidé pour toi que cette chicane te concernait. Et il y a même des gens qui parlent à ta place et qui te mettent les mots dans la bouche. Alors, je suis très contente. Dans les deux courants, du côté des inclusifs et des identitaires, il y a des gens qui mettent les mots dans la bouche. Et je pense que c'est ça que je veux dire dans mon livre. Laissez les gens parler. Laissez les gens raconter leur histoire. Laissez les gens être un peu de ce camp, un peu de l'autre camp, et avoir le droit aussi de n'être dans aucun camp. Donc, je suis très heureuse de t'entendre dire que cette chicane ne te concerne pas, parce que cette chicane ne mène nulle part. Elle mène à l'impasse et elle mène à un cercle, à un spirale infernale de revanche et de vengeance et de la poule ou de l'œuf. D'accord ? Donc, je suis ravie. Maintenant, je suis aussi très heureuse de t'entendre parler de tes enfants. Parce que, dans le fond... J'ai pas d'enfants encore. Les enfants que tu vas avoir. Ok, c'est ça. Je suis contente tu as déjà projeté, tu t'es projeté comme père et tu vois tes enfants retourner dans un pays apaisé, dans un pays émancipé qui s'est affranchi de toutes les tutelles, l'américaine, mais aussi la tutelle de ses propres tyrans. D'accord ? Parce que on peut des fois être maltraité par ses parents adoptifs et par ses parents d'origine. Et ses parents biologiques, et ça c'est la pire souffrance, et je pense que tu y as goûté un peu. Donc ce que j'entends, c'est que toi, tu n'appartiens à aucun des deux camps, et c'est très bien, c'est merveilleux, tu es un homme libre, tu as traversé tes épreuves, et tu es allé vivre en Haïti, et tu as préparé le terrain. Parce que quand tu auras des enfants, l'histoire d'Haïti que tu vas leur raconter, ce n'est pas une histoire que des gens raconteront pour toi, c'est ton histoire. Tu raconteras cet Haïti où tu as été déporté, où tu as vécu, et d'où tu es sorti. Donc, tu es un homme libre. Et ouais. C'est exactement l'objet de mon livre. C'est bien. Un vrai souverain. C'est bien, oui, un vrai souverain. Est-ce que je peux rajouter une autre chose par rapport au système un peu? C'est comme un petit rap, mais je vais peut-être comme te le dire. C'est comme que la loi me rend coupable pour un crime pitoyable commis par un de mes semblables. Les négros sont des victimes dans la rue par les policiers corrompus, mais nous ne sommes pas les seuls à être des victimes du champ de mire. On vit dans une génération de martyrs. Dans ces ghettos qui s'empirent, tous les nègres veulent se remplir les poches. De quartier à quartier, ça se regarde croche, on riposte à coups de gunshot. C'est un peu la réalité dans laquelle que j'ai grandi et qui m'a forgé un caractère très différent des autres parce que j'ai un point de vue très différent. Et c'est pour ça, oui, je suis un homme libre. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci. Enchanté. Si j'étais une danse, je serais la danse d'une couleur, celle qui me rappelle d'où je viens, celle qui donne à mon sourire l'éclat du jour, la fierté des miens. La couleur n'est pas un déguisement pour amuser les citoyens. La couleur, c'est la danse du soleil sur chaque Africain, chaque Ivoirien, chaque Congolais, chaque Haïtien, chaque Nigérien, chaque Sénégalais ou Mauritanien, chaque Somalien, chaque Égyptien, chaque Maghrébin, chaque Antillais, chaque Jamaïcain, chaque être humain. Les miens sont sous-représentés dans les médias, sous-représentés en prison. Je danse pas la danse de la trahison, je danse la danse des miens, celle de Malcolm et Martin. Ils se sont battus pour que moi, je danse la danse du soleil. Celle qui me rappelle d'où je viens, celle qui me fait du bien. Ils disent œil pour œil, balle pour balle. Moi, je dis danse pour danse et j'ouvre le bal. Alors, ce poème n'est pas de moi, il est de Miguel. Bravo. Merci, bravo. Merci. Rachida Esdouz, depuis longtemps, tu es une amie des souverains.
Cette nuit, j'ai lu ton livre. Je l'ai eu hier. Je passais à travers. Puis avec un certain ravissement puis un amusement, parce que l'œuf et la poule, bien évidemment, je me suis identifié plus à la poule dans mon cas. Mais j'ai fait les balances des choses, etc. Et c'était très intéressant, en fait, comme étude sociologique, plus que psychologique, dans le fond. À mon avis, c'est plus c'est beaucoup plus le rapport entre l'individu et les institutions sociales, et voir le portrait comme tel du Québec moderne, et les controverses qui l'animent. Alors, j'ai apprécié tout ça, mais en fait, faut comprendre ici, mes amis et moi, qu'on est content de te voir, parce qu'en fait, tu es une rassembleuse. Tes interventions publiques contribuent à bâtir un Québec maître de son destin, un Québec de tous les Québécois, inclusif, un Québec de toutes les couleurs, toutes les cuisines et tous les tagides. Avec des femmes comme toi, le Québec est gagnant. Je te souhaite le meilleur dans ta vie et le succès pour tes livres. Au nom de tous mes camarades ici, je te déclare Rachida S12, souveraine anonyme, souveraine anonyme, souveraine anonyme. Et je te dis à la prochaine. Chicane. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.